Mesdames, Messieurs, un pile conflit entre les États-Unis d'Amérique, la Russie et l'Ukraine. Est-ce que vraiment nous parlons aboutir à une troisième guerre mondiale? Et qui ça vraiment qui causé tout conflit ça? Rete là, je vais l'expliquer tout détail. 21 janvier 2022 qui se passe là, il y a une grande rencontre qui fait au Genève entre le ministre des Relations extérieures russe, qui c'est Sergei Lavrov, et le secrétaire d'État américain, qui c'est Anthony Blinken. Objectif pour rencontre ça, mesdames, messieurs, c'était pour discuter un peu sur la question de l'OTAN. Pour les gens qui ne connaissent pas, l'OTAN, c'est l'organisation du traité Atlantique Nord. L'OTAN, mesdames, messieurs, qui commençait à expandir vers un pile pays qui tout près la Russie et avec un pile l'autre tout dans la zone européenne. Et dans la rencontre ça, tout, mesdames, messieurs, nous avons choisi de discuter un peu sur la question de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays qui fait frontière avec la Russie. Et Russie, eux-mêmes, ont déjà disponibilisé plus de 10 000 soldats russes dans la frontière ça pour protéger le territoire par eux en cas où l'OTAN a envahi l'espace. Et après ça, que la Russie fait vers l'Ukraine, bon côté aux États-Unis, ils ont considéré ça comme étant une grosse menace. Mais mesdames et messieurs, qui ça vraiment qui causait tout conflit ça entre la Russie et les États-Unis? En premier lieu, nous sommes capables d'identifier un bagage. La Russie lui-même est tout près de l'Ukraine. Et l'Ukraine, objectif parle, c'est très très bientôt devenir membre de l'OTAN. Là, on peut comprendre une question de jalousie qu'on peut là. Et yon l'autre bord, gouvernement, la Russie, hein, président Vladimir Poutine, mandé gouvernement américain pour contrôler l'expansion de l'OTAN, pour contrôler les affaires OTAN qui a attaqué un pile pays qui tout près la caille. Et mesdames, messieurs, réponse qu'elle te recevra du gouvernement américain, pas de jambes en faveur la Russie. Président Joe Biden, mesdames, messieurs, répond comme ça. Il dit, avant ce que la Russie fait vers l'Ukraine, Vladimir connaît pour qui ça fait. Et si tout ne pas reculer, la paye ça tellement cher, bagarre la blague. Et bien, mesdames, messieurs, après tout bon détail, ça, la tension entre la Russie et l'Ukraine commence à monter. Nous presque là pour nous arriver en troisième guerre mondiale. Alors, on ne peut pas souhaiter ça. Parce que normalement, il y a une troisième guerre mondiale, pas même gens, avec ni première ni deuxième guerre mondiale. Ce n'est pas une guerre nucléaire. Nous tous connaissons, la Russie occupe le deuxième espace, son superpuissance en termes de l'armée, et aux États-Unis, c'est numéro un dans tout le monde. Et bien, mesdames, messieurs, dossier à pas campé. Bagala continue en pile nouvelle, en pile tête chargée, en pile préoccupation. Maintenant, vidéo ça, objectif vidéo ça, je voulais montrer où. Si toutefois, la Russie et les États-Unis d'Amérique t'a entré dans une guerre, qui allié qui a gagné qui peut lutter pour nous? L'aime parler des alliés, pays qui peut unir avec la Russie ou du moins avec les États-Unis pour faire un seul et puis être capable de nous. Vingard ensemble avec qui quantité de pays la Russie gagne comme allié et qui quantité de pays tout les États-Unis gagne comme allié. Et puis après ou même moi dites dans commentaire si des pays ça ont entré en guerre qui est ce que vous pensez qu'a senti vainqueur. Moi aller la prochaine très bientôt.